Deuxième session du baccalauréat de l'enseignement du second degré, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, Hissène Massa, et la secrétaire d'État à l'éducation nationale et la promotion civique, Bounio Pervaline, ont effectué une descente au sein de l'ONEX, Office national des examens et concours du supérieur, pour encourager les membres du jury pour la finalisation des épreuves écrites. On fait le point avec Abdelhadi Mamassali. C'est pour constater les travaux de la correction des épreuves de la deuxième session du baccalauréat, session de juillet 2017 qui a commencé depuis hier sur l'étendue du territoire national, que le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, Hissène Massar Hissène, et la secrétaire d'État à l'éducation nationale et la promotion civique, Bounio Pervaline, ont effectué les déplacements à l'Office national d'examen et concours du supérieur ONEX. Pour le président du jury, toutes les dispositions sont prises pour la correction. Le samedi prochain, c'est la correction qui va commencer au lycée Ibn Sina. Et nous pensons qu'en 2 jours, nous allons finir avec la correction. Et après cette phase, c'est le secrétariat qui va se mettre au travail. Et pour le secrétariat, 4-5 jours nous suffit pour que nous puissions clôturer l'organisation du bac 2017. La secrétaire d'État à l'éducation nationale n'a pas caché sa satisfaction quant au travail abattu par la commission du bac 2017. Nous sommes très ravis, nous du ministère, par rapport aux résultats de la première vague. Et notre sortie, c'est en fait une façon d'encourager les enseignants aussi, qui ont mis du paquet cette année, et aussi l'équipe du jury qui a travaillé d'arrache-pied pour que ces deux phases de bac puissent terminer. Le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, Hissène Massar Hissène, et la secrétaire d'État à l'éducation nationale et la promotion civique, Bounio Pervaline, ont encouragé les membres du jury tout en appréciant les rôles que jouent les membres du jury pour finaliser les restes des travaux.